C'est un art modeste et subtil, faire tenir des cailloux en équilibre. Les Japonais appellent cela l'ishiana, la fleur de pierre. Sur Facebook, sur Instagram, Greg Civiel expose ses créations éphémères. Dans le monde des poseurs de pierres, aux côtés du Suédois Pontus Jansson ou du Canadien Gravity Blue, Greg le Niçois est reconnu comme un maître. Quand je vois un mec qui fait un truc cassure, je suis pas jaloux, j'ai juste envie de faire « waouh, on peut faire ça aussi ». C'est motivant, on se motive les uns les autres, quoi. C'est ça, c'est ouais, ouais. Comme c'est pas un truc où on gagne forcément beaucoup d'argent ou quoi, c'est que du partage, quoi. Greg Civiel est un homme connecté, connecté à sa communauté de passionnés via les réseaux sociaux, connecté à la nature par son art. Je roule sur la prom, je regarde ce que la mer a amené la nuit, s'il y a des bancs de sable, des trucs. Je récupère des pierres, en fait il y a plein de couleurs, il suffit de les chercher, quoi. Puis après, voilà, je suis un peu comme un enfant qui dans sa chambre s'invente un monde, moi je fais la même chose, quoi. Au moment, à l'instant, le moment où je lâche la pierre, ça y est, c'est fait, mais c'est ce moment-là où je sens la gravité, je sens le vent, moi je suis accro à l'instant, au moment, quoi. C'est ouais, ouais. Plus qu'à la création en elle-même, en fait, parce qu'une fois que je l'ai faite, je pense à la prochaine, quoi, donc... Les fragiles sculptures de Greg Civiel sont effacées, sitôt réalisées. Elles ne laisseront aucune trace dans le paysage, juste quelques photos et quelques vidéos sur les réseaux sociaux.